un avis nouveau, une envie nouvelle. Elle en deviendrait fatigante, ce n'est rien de plus que l'an 40. Je chante, ne sois pas infidèle, ne me crois pas si fort, ne me crois pas si faible, que je puisse accepter la brûlure et le froid, sans perdre le sourire, sans perdre la voix. Réfléchissez bien. Concentrez-vous. J'essaie, mais j'y arrive pas. Vous êtes sûre de n'avoir vu personne ni rien entendu en arrivant? Non. Je crois. J'ai peut-être entendu une porte grincer ou se fermer. Quelle porte? Je peux pas vous dire. Réfléchissez, Madame Ralston, c'est très important. En haut, en bas? Étions-nous ces deux prédestinés dont les tendresses se joignant devaient s'étreindre, se mêler indissolublement et engendrer l'amour ? Théâtre ! On doit en parler à quelqu'un. Des erreurs ont été commises. Mais nous venons de vous dire qu'ils mangent des enfants. Et nous triompherons ! Si tranquille lorsque tu te démaquilles. Petite fille, tu es fragile. Tu as certainement raison quand tu dis que tu ne peux pardonner que les offenses commises envers toi. Je me demande de plus en plus si j'ai bien agi. Mais qu'est-ce qui me fait encore repenser à cette histoire? L'homme est une question de persévérance. Avec qui tu jouerais au boule si on n'était pas là? Alors ça, vous voyez, c'est toujours le raisonnement de celui qui débarque. Maintenant qu'il les a nettoyés, ça va tout changer. Bravo, vous l'avez gagné. C'est votre exprès. Il était une fois un garçon comme les autres, ou presque comme les autres, Solal. Avec une arme dans la main pour me défendre. J'en ai tellement chié. Ces enfants étaient devenus mes ennemis. On n'arrête pas de vous répéter que ça va péter. On n'arrive pas à faire court. Vous ne faites rien. Je pose une question, mesdames et messieurs. Est-ce en remettant toujours au lendemain la catastrophe que nous pourrions faire le jour même que nous l'éviterons? Mmh.
faites quelque chose contre les enfants qui ont peur? Quoi? Ça vous dégoûte, ça vous énerve? Pas du tout. Ça vous fait rire alors? Pas du tout. Vraiment? Je sens qu'on vient de toucher un point sensible. Cessez, je vous en prie de me parler de lui, car même le lit ne nous lit plus. Au lit, je lis, je compte mes mille et une nuits. D'ennui, 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 d'ennui. Tout à coup, j'entends qu'on murmure « Voilà la Carmencita !» Les gens de mon âge ou plus âgés, on est des survivants. On est des Jedi, sans déconner. Non mais sachez, on avait du mercure dans les dents, de l'amiante sur la tête, Dorothée à la télé, on est encore là. 2 heures pour trouver un régime à la France. Cul d'artichaut à la ligotte, saumon à la royale et filet de perdrix. À votre table, on ne peut pas penser à changer de régime.